Aujourd'hui, je prends mon téléphone parce que j'avais envie de vlogger. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Donc, je vous ai filmé, comme vous avez pu le voir en début de vlog, la recette que j'ai fait pour à midi. Donc, c'est une recette toute simple, hein. Vous voyez, j'ai mis des oignons, des pommes de terre, poivrons, de l'ail, l'émincé de poulet, de blanc de poulet. Et puis, voilà, j'ai fait une petite sauce avec. Les loulous, ils adorent ça. Je vais faire cuire du pain aussi en parallèle, comme ça, au moins, pour saucer dans la sauce, c'est meilleur. Et puis voilà, rien de spécial aujourd'hui, je ne sors pas. Je voulais vous faire un petit point sur ma peau, puisque lors d'une vidéo, je vous avais expliqué que je me rasais le visage, je me rasais le duvet. Je crois que du coup, ça vous a beaucoup intrigué. J'ai eu pas mal de questions sur est-ce que ça fait des boutons, est-ce que le poil repousse plus dur, plus noir, plus dense. Est-ce que j'ai eu des problèmes particuliers? Alors c'est pour ça que je voulais revenir avec vous. J'ai fait exprès pour vous. J'ai fait exprès de laisser pousser mon duvet pour que vous puissiez voir. Donc là vous verrez pas en fait. Je vais vous retourner la caméra parce que... Donc là je vais retourner l'écran de mon téléphone, puisque en mode selfie la qualité de vidéo n'est pas aussi bonne que sur l'écran de derrière. Mais j'ai laissé pousser mon duvet pour que vous puissiez un petit peu voir tout ça de plus près. Donc là même mes sourcils ne sont pas épilés, hein, je vais tout faire tout à l'heure. Mais non, en fait mon poil n'a pas repoussé plus dur, plus noir, ni plus dense. J'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu de boutons particuliers, si ce n'est que les boutons que je puis, que je peux avoir en période mensuelle, que nous avons nous les filles, les petits problèmes de filles, n'est-ce pas ? Voilà, après j'ai pas eu de problème particulier, absolument pas. Je pense qu'il est important de respecter certaines règles quand on pratique le rasage du duvet, c'est-à-dire de toujours raser dans le sens de la pousse du poil, jamais un rebrousse-poil, on se rase pas comme un bonhomme les filles, donc toujours dans le sens du poil.
Et puis toujours avoir enfin, le visage bien propre, le rasoir bien propre et désinfecté. J'insiste sur le mot désinfecté. Et puis tout se passe très bien, quoi. Moi, j'ai pas de problème particulier par rapport à ça. Voilà. Il y en a qui ont eu des problèmes, en effet. J'ai pu constater sur YouTube certaines vidéos où les filles témoignaient justement de leur mauvaise expérience avec le rasage du duvet. Alors, est-ce que ça dépend de chaque peau? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi qui ai un duvet quand même plutôt dense, comme vous pouvez le voir, je suis quand même brune. De par mes origines turques, on va dire que j'ai quand même été très gâtée niveau pilosité. Mais je n'ai pas eu de problème particulier. Absolument pas. Donc, j'ai retourné la caméra là pour que vous puissiez voir. J'espère que vous verrez bien. Alors, je me tape. Je vais peut-être mettre le flash pour que vous puissiez mieux voir. On verra bien le rendu. Je me filme face au miroir. Comme ça, au moins, je vais pouvoir avoir un retour de ce que je vous filme. Mais voilà quoi les filles, hein, pour celles qui ont peur et qui veulent se lancer, bah écoutez, moi personnellement, c'est mon expérience personnelle, je n'ai eu aucun problème. Et ça fait plus d'un an maintenant que je pratique le rasage du visage et j'ai pas de soucis particuliers. Voilà. Alors, gros plan sur ma face, hein, n'est-ce pas? Horrible. Alors oui, vous voyez, hop, j'ai pas épilé mes sourcils, je vais le faire tout à l'heure. J'ai fait exprès de tout laisser pousser pour vous montrer. Ouais, là on voit là. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon poil n'a pas repoussé plus noir, quoi. Là, quand on touche, on sent bien le duvet. Alors, est-ce que vous allez le voir? Hop. Mais je vais vous montrer aussi le front, parce que je fais également le front. Est-ce qu'on verra bien les petits poils? Moi, je les sens au toucher. Mais je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais voilà quoi. Là, je crois que c'est bien représentatif hein, de ce que j'avais déjà. Voilà, c'est ça. Les poils que j'avais avant, ils étaient comme ça. Ils n'ont pas changé. Oh là là, les cernes. Voilà les filles, c'était pour vous montrer tout ça, pour celles qui avaient peur. Je vous reprends maintenant parce qu'en fait, je viens d'aller à la boîte aux lettres. Et j'ai reçu des petits paquets d'AliExpress, donc je me suis dit que c'était bien de vous les montrer comme ça, là, genre dans un vlog. Tu peux ramener les autres, mon cœur, comme ça, je montre à la vidéo. Montre-moi tous les nouveaux que tu as eu. Montre, ramène-les-moi. Donc déjà pour mon loulou, donc j'ai reçu dans une pochette bulle comme ça, là. Ça a été très rapide pour l'envoi, d'ailleurs. J'ai 2 semaines. Ouais, ça a mis à peu près 2 semaines pour recevoir ça. Donc en fait, Enzo, en ce moment, il adore les insectes. Voilà. Donc il se fascine pour les insectes. Ah merci. Elles sont toutes là? Il y a tout? T'en as pas oublié? Non? Alors du coup, je lui ai commandé différents. Donc c'était un sachet avec différents insectes. Donc là, la chenille, la menthe religieuse, la mouche, la libellule, le mille-pattes. Mais ça porte un autre nom. Je vous mettrai le nom. Voilà, un genre de. Nous, on a dit pince-oreille. Voilà, parce qu'Enzo, en ce moment, quand il voit les pince-oreilles dans le jardin, genre, il est fasciné. Et comme ça ressemble un petit peu plus ou moins, on a dit pince-oreille. Une araignée, pour mon plus grand bonheur, n'est-ce pas? Ça va, là, j'arrive à les toucher. Mais la première qu'il a eue. Montre-moi l'autre araignée, Enzo, la grosse. Ramène-moi la grosse. Vous savez que je suis arachnophobe, mais genre puissance 1000. Et quand il a eu celle-ci au départ, alors attendez, je vous montre, hop, ça a été très très dur pour moi de la toucher. Ça a été il m'a fallu du temps. Ensuite, donc il y a la limace, un genre de cafard, voilà. La fourmi n'est pas prêteuse. Voilà, donc là il y a la fourmi. Franchement, ils sont super bien faits. La sauterelle. Et j'en ai recommandé d'autres qui devraient arriver. Et ça, je ne sais pas trop. Il va falloir faire nos recherches. Parce que je dois vous avouer que même moi, niveau insectes, sur le sujet, je ne suis pas encore trop calée. Mais étant donné que. Tiens, mon chéri, merci. Les trucs qu'on sait, c'est quoi sur les trous de terre? Dans les trous de terre? Ça se Oui. cache dans les trous de terre. Oui, ça se cache un peu partout dans la terre. Étant donné qu'il se fascine en ce moment pour les insectes, et comme vous savez que nous pratiquons donc l'instruction en famille, donc l'école à la maison, je me suis dit ça peut être bien de rebondir là-dessus, d'en profiter pour lui acheter toute une panoplie d'insectes différents, qui sont quand même vachement ressemblants à la réalité. C'est pour ça que je m'arrange pour que ça ressemble quand même à ce qu'il y a en vrai, quoi, pour pouvoir lui apprendre les noms. Oh.
lui apprendre les noms, lui apprendre les caractéristiques, pareil, la fourmi, les fourmilières, tout ça, comment ça fonctionne. Je me suis dit, ça pourrait être sympa pour lui inculquer pas mal de choses, voilà, par rapport à l'école à la maison, je trouve ça trop cool. Donc moi, je vais me pencher sur le sujet des insectes, parce que j'en connais beaucoup, mais finalement, il y en a... Bah malheureusement que je ne connais pas, donc j'apprends aussi en même temps, c'est ce qui est cool aussi avec l'école à la maison. Donc le soir avant d'aller me coucher, quand les loulous sont couchés, je me documente un petit peu pour essayer de moi m'instruire aussi avant de l'instruire à mon fils pour pas lui dire de bêtises, voilà, tout simplement. Et j'ai reçu également, et alors là, vitesse record les filles, en livraison. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, que ce soit bah, tout ce que je vous montre, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai reçu une paire de chaussures. J'ai ouvert l'enveloppe, donc j'ai reçu ça dans une enveloppe bulle. J'ai reçu ça en moins d'une semaine. Sur AliExpress, hein, je précise. Moins d'une semaine. Pour la petite histoire, en fait, il y a nos amis de Bretagne qui sont venus passer une semaine à la maison la semaine dernière. Excusez-moi pour le bruit. Et donc, mon amie avait commandé des chaussures sur AliExpress et elle les portait. Elle m'a dit, tiens, regarde, c'est les chaussures qu'elle m'avait parlé. Donc, voilà. Et elle les a reçues en rouge. Voilà, elle les a commandées en rouge. Moi, j'ai préféré prendre noir, ces couleurs plus sobres. Et je les avais essayées. Qu'est-ce qu'on est confortable dedans. Et donc, voilà. Donc, elle se présente comme ceci, avec un talon très large. Pour la stabilité, je trouve que c'est bien pour celles qui n'ont pas l'habitude de porter des talons parce que sinon ça fait vite mal aux pieds. Ici, il y a une petite sangle en plastique, mais je vous l'ai portée hein, pour que vous puissiez voir parce que là, comme ça, ça ne paye pas de mine. Hein. Il y a un lacet doré, voilà. Voilà. Franchement, les finitions, les filles, je sais pas si... mais franchement, les finitions, elles sont parfaites. Il n'y a pas de col qui dépasse. Franchement, il n'y a rien du tout, quoi. Même la semelle, tout est parfait, tout est franchement nickel. Donc moi j'ai pris taille 38 en espérant que ça va m'aller parce qu'en fait ma copine elle fait du 40. Elle fait du 40. Donc j'avais essayé ses chaussures comme ça mais elles étaient un peu grandes forcément vu que je fais du 38. Mais elle m'avait dit qu'elle avait pris sa taille exacte, sa taille française, donc on verra bien. Je vais les essayer et je vais vous les montrer juste après. Par contre je voulais vous montrer aussi un autre... paquet que j'ai reçu. Bon, je vous reprends un peu plus tard parce que les loulous, ils avaient besoin de moi et là, je viens de les mettre à la sieste. Donc, du coup, j'ai un peu plus de temps pour pouvoir vous parler du second colis que j'ai reçu. Donc, il se présente... Enfin, c'est des petits sachets comme ça, vous voyez. Hop, ce sont des petits vernis, mais pas n'importe quel vernis. Et sachez que ça, c'est la deuxième commande que je fais puisque la première commande que j'ai fait... de ce produit là, je l'ai fait il y a déjà 3 mois et donc ça fait 3 mois que je teste ce produit sur mes ongles. Donc là j'ai fait ma dépose hier puisque voilà, du coup je vais vous filmer une vidéo sur comment appliquer ce produit puisque en fait là j'ai 3 mois de recul, donc je peux vraiment vous donner un réel avis quand il est question de produits comme ça qui vient de Chine, notamment d'AliExpress et qui touche les ongles. Je veux avoir un certain recul, une certaine expérience du produit pour pouvoir vous donner un réel avis et pas l'utiliser que uniquement sur moi mais aussi sur des copines ou des gens de mon entourage pour avoir aussi d'autres avis et pas que le mien. Donc là en l'occurrence je vais vous faire une revue très 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 prochainement de ce produit là ainsi qu'une vidéo démonstration de comment l'utiliser, mais j'ai aussi une autre vidéo revue à vous faire sur une autre marque de vernis semi-permanent que j'ai pu tester. Faut vraiment que je prenne le temps de vous faire tout ça. C'est les vacances. Là, c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour filmer. De toute façon, je pense que vous voyez sur YouTube, les vidéos sont un petit peu ralenties quand c'est la période des vacances. Puis même vous, vous êtes certainement en vacances et vous n'avez pas spécialement le temps ni l'envie d'ailleurs d'aller flâner sur YouTube pour regarder des vidéos, et chose que je comprends parfaitement. Donc le produit en question, ce sont des petits vernis qui se présentent comme ceci. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc c'est Lilicut, voilà. Et en fait, ce ne sont pas des vernis semi-permanents, ce sont des vernis gel acrylique. Et alors ça, les filles, je vais vous dire que ça va révolutionner votre façon de faire vos faux ongles à la maison de façon simplissime, mais alors vraiment simplissime et de façon durable parce que honnêtement, les poses que j'ai fait avec ce produit-là, mes ongles ont vraiment très 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 bien tenu.
Et pourtant, je vais vous dire que je ne les ménage pas. J'ai souvent les mains dans l'eau, bah, de par le ménage. Et puis, bah, je m'occupe des loulous, on sort souvent en extérieur, tout ça. Enfin, bref, j'ai quand même une vie active, mine de rien. Donc, ils tiennent super, super bien. Donc là, j'en ai recommandé quelques-uns. Là, j'ai voulu tester leur top coat sans... En fait, ça, c'est un top coat no wipe. En fait, le no wipe, en fait, c'est le top coat qui... Il n'y a pas besoin de le dégraisser à la fin. Il n'y a pas d'effet collant après catalysation. Donc, je vais le tester. J'espère qu'il est bien brillant. Les premiers que j'ai commandés, donc de ma première commande, c'était des vernis classiques. J'avais commandé un transparent et un couleur un peu effet... un peu laiteux, vous voyez. Un peu blanc laiteux. Donc, c'était pas blanc blanc, mais c'est laiteux, voilà, tout simplement. Et puis là, j'ai voulu retenter. Donc là, j'ai recommandé d'autres couleurs. Je crois qu'il y a deux références, c'est les mêmes. Là, c'est 206, ouais. 206 et 105. Le 06, donc, alors, par contre, ce sont des petites contenances. C'est juste la seule chose que je regrette. Mais bon, vu le prix, c'est tout petit, donc voilà. Ah voilà, donc là, j'ai pris un rose. Bon, de toute façon, là, vous voyez bien la couleur. Un rose un peu transparent. Et j'ai pris, donc là, j'en ai commandé deux comme ça. Et j'ai reçu également un autre. Celui-là, c'est le 05. C'est le 05, ouais. Et celui-ci, c'est un... Je crois que c'est un nude. Hein. Ouais, c'est un genre de... Ah, il tire sur le taupe, là. Oh, je dirais vieux rose. Nude, vieux rose. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais soyez patiente. Je fais mon maximum. Je sais que, de toute façon, j'ai pu le constater. Hein, ce sont les vidéos des ongles qui vous intéressent le plus sur ma chaîne. Alors, mais je ne veux pas faire que des ongles non plus, mais... Donc, vous inquiétez pas, je vais tâcher de faire, de filmer ces vidéos le plus rapidement possible. Voilà pour les colis reçus ce jour. Voilà. Et là, je vais vous filmer. Du coup, je vais essayer les chaussures pour que vous puissiez les voir porter. Et puis, ben, à tout de suite. Alors, voilà. Alors, voilà les chaussures portées. Elles sont d'un... Alors, déjà, pour la taille, c'est nickel. Honnêtement, la taille, elle est parfaite. Elles me vont parfaitement bien. Et comment vous dire que je suis comme dans des chaussons dedans, les filles, c'est un truc de ouf, vraiment. Elles sont très stables, les talons sont ni trop hauts, ni trop petits. Mais franchement, et puis je trouve que ça fait un très joli pied. Je suis conquise, je suis fan. Alors regardez pas mes jambes, hein, il faut que je m'épile. Mais honnêtement, elles sont canon et elles existaient en différentes couleurs. Elles sont... je les aime trop. La vérité, je les aime trop. Elles étaient à 12 euros. 12 euros reçus en 8 jours. Franchement, ça, c'est un bon plan, les filles.